13 novembre, ici, au Double Mix. Vraiment, on va donner un concert mémorable. Prenez vos places, achetez les billets. C'est tout ce que je vous demande. Je laisserai quelques mois avant pas mon assistant, mais dites-moi vite. Bon. Moi, pour finir, je dirais juste que, comme l'a su le dire le frère, c'est pour la toute première fois que vous recevez Fabregas ici en Europe. Bah, venez le soutenir. En tout cas, il se bat, il travaille. Vous voyez sûrement les directs. Donc venez le soutenir et il vous promet de donner le meilleur de lui-même. C'est tout. Merci. En tout cas, merci. Merci à tous. Soyez le bienvenu. Soyez tous les bienvenus. Oui, là, c'est Reta. Donc, ce soir, on est avec Maestro Fabregas. Après 2 ans d'absence sur la scène lyonnaise, il est revenu sous l'invitation de Double S Prod et pour jouer son concert qui aura lieu au Double Mix le 13 novembre 2021. Donc, il revient avec un album vraiment très, très fort. Actuellement, l'album qui cartonne partout dans le monde, l'album Locolo. Voilà, je viens vers l'artiste pour savoir comment s'est passé le voyage. D'abord, bonsoir Maestro. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Je sens que vous êtes un peu fatigué, donc je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps. Et je voulais savoir, cet album Locolo, comment il est perçu, comment il est reçu? Parce que là, vraiment, actuellement, c'est vous. On ne parle que de vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour l'album Locolo? Là, Sireta, je vais dire bonsoir déjà. Bonsoir. Je suis très heureux d'être là. Je suis vraiment là-bas, je suis un Lyonnais. J'ai eu à faire mes premiers showcases ici. Oui. Quand j'ai sorti mon premier album, je me souviens très bien, c'était en 2012, avec Amour, je commençais à Grenoble, après j'ai fait Lyon. Donc c'est une ville qui historique pour moi, on va dire comme ça. Bon, pour une petite modification, Locolo, c'est pas un album en fait. C'est un titre dans l'album qui va arriver, l'album du groupe. Et le titre Locolo n'est pas en sortie. On a fait une vidéo qu'on a mis sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est juste des répétitions live que je fais. Et ça régénère tout ça. Je suis très flatté. Et je dirais merci à tous mes fans. À toutes mes fans, surtout. C'est leur implication, en fait. Parce que je fais un système du live direct. Et je voulais justement qu'on partage des moments mémorables avec mes fans. Et ils ont suivi le jeu, et ça donne ce que ça donne, j'en suis très fier. Et je suis très, très heureux pour ça, je remercie beaucoup mes fans pour tout ça, pour leur implication dans mon business, dans ma carrière, dans ma musique. Je continuerai à faire de la bonne musique pour rien, en tout cas. Merci beaucoup, Maestro. En tout cas, parmi les chansons que vous avez sorties récemment, moi, j'ai vraiment aimé une chanson qui s'appelle Brenda. Si vous pouvez nous parler un peu de l'inspiration, parce qu'on a senti vraiment musique à Kilelo, au Betty vraiment système. Donc, Nayoki, moi, tonalité, il y a Raga, tonalité, il y a Pépé Calé, il y a un peu Werason. Donc, explique-nous un peu l'inspiration de cette chanson, s'il vous plaît. Brenda, c'est... Je sais, j'ai signé chez Sony Music pour un album urbain. Mm-hmm. Et Brenda, c'était le single de cet album urbain. L'album n'est pas encore sorti, mais c'était un premier titre qu'on a donné aux gens. Et je remercie encore une fois mes fans, et le mélomane de la bonne musique, pardon, et pour avoir accepté Fabregas dans une autre facette. Parce que ça, de la musique, c'est de la musique urbaine, je n'ai jamais sorti un produit comme ça, mais ils l'ont accepté, ils l'ont adopté, j'en suis fier. Tu vois, c'est une histoire vraie, Brenda. Je parlais d'un grand frère à moi qui avait une femme qui s'appelait Brenda. Et lui-même ne se rendait même pas compte qu'il aimait autant Brenda. Il faisait beaucoup de bêtises. Quand Brenda est partie, c'est là qu'il s'est rendu compte qu'il n'arrivait à rien faire, il commençait à bouillir les haricots du briquet. Il parlait chinois, donc il s'est rendu compte qu'en fait, il aimait autant Brenda, mais il s'est rendu compte juste quand Brenda est partie. C'est pour ça qu'il s'est plaignant lui-même, Maï Brenda, je parviens maintenant à comprendre ta valeur, excuse-moi d'être pervers, je t'aimais et je t'aimerai et je cesserai de t'aimer. Il se plaignait, il se sentait coupable, quoi. Mais Brenda n'était plus là, donc c'était compliqué. Partout,
Il partait, il voyait Brenda dans des photos, dans les images, comme ça. En fait, ça il rêvait en même temps. Et après, tu as dit, j'ai mis un peu du raga dedans, ragamuffin. Il y a un peu du dancehall, il y a un peu. Ça, c'est juste parce que c'est un album urbain. Ça demandait des couleurs urbaines, j'avais pas le choix. Après, je suis métis noir. C'est le métissage qui oblige. D'accord. C'est ça. Très bien, merci. Quels sont vos projets là actuellement? Vous faites comment? Vous restez en France? Vous rentrez à Kin? Vous faites quoi? Toute cette année là, 2021 jusqu'à 2022, quel est le projet du groupe? Vous avez une tournée en prévision ou qu'est-ce qui se passe? C'est une bonne question. Si je me mets à parler, on va pas finir parce que j'ai une conférence de presse demain. Mm-hmm. Je suis venu précisément pour mon concert du 13 novembre ici à Lyon. Et on a une conférence demain les 4 dans la salle double mix même. Si je me mets à parler, je crois qu'on ne va pas finir aujourd'hui. Mm-hmm. Et je vais aller droit au but pour répondre à ta question. C'était de savoir mes projets. Mm-hmm. Les projets, j'en ai plein. Si je commence à étaler mes projets, je crois même qu'on ne va pas finir. D'accord. J'en ai plein. Mm-hmm. Sauf que je suis sur un... Bon, on va parler de certains projets qui sont déjà lancés. Mm-hmm. Je suis dans la production, je produis. Je produis beaucoup de jeunes maintenant. Mm-hmm. Je produis même l'album du groupe, même le loco là c'est dans l'album du groupe. Uh-huh. Deuxième album du groupe qui s'appelle Merci, uh-huh. C'est moi qui le produis dans mon label Wanted Music. Et je produis Patrick Beckham, je salue en passant l'œil du maître. Uh-huh. Il y a pas mal d'artistes que je produis, il y a Baudelaire, le TT, il y a Didolix de l'autre côté. Il y a aussi beaucoup de projets, je suis même sur un projet avec Claudia Bakis, c'est son album Urbain. Uh-huh. Je suis dans beaucoup de projets et puis moi-même j'ai signé chez Sony depuis... Ça date de un an aujourd'hui. On est derrière un album urbain, un album des 12 titres, dont j'ai sorti Brenda en single, dont il me reste 11 titres à sortir. Pour moi, c'est pas rien. Je suis en train de bosser dessus, parce que je sais que l'urbain, c'est pas la musique que je fais tous les jours. J'ai pas l'habitude de le faire, donc je me mets vraiment dedans, histoire de sortir un très bel album. Et après, en termes de projet, je rêve beaucoup d'aller... dans d'autres planètes. Ok, d'accord, on va vous suivre. J'ai beaucoup de projets, mais il y en a tellement plein. D'accord. Si mes projets restent projets. D'accord. Quand je réalise, c'est là que je vais en parler. Tout à fait. En tout cas, moi, je dirais que vous êtes un très très bon leader. Merci. De la même façon que vous êtes passé chez Maison Mère, vous êtes passé chez Quartier Latin, vous avez un parcours vraiment remarquable. Pour un jeune comme vous, vous êtes, je peux dire, vous êtes un grand leader parce que dans la descendance de Werason, vous êtes celui qui a produit des bons fruits. Donc après vous, il y a des villageois qui sont sortis et aujourd'hui, on arrive à voir que ces villageois-là sont aussi dans leur carrière solo et tout. Hein, je vais citer un peu les noms. Hein. Donc il y a Ibratorm Piana, il y a Materazzi. Il y a, comment il s'appelle, Buna Filet, voilà. Thierry Mugler, chanteur par excellence, que je salue en passant. Thierry Mugler, au moins, Nazana Maestro. Vous en avez bien Batakin. Exactement. Donc, aujourd'hui, pourquoi pas continuer toujours avec vos anciens villageois? Je veux dire, les mettre aussi dans les projets, continuer un peu à travailler avec eux. Je travaille avec eux, hein. D'accord. Je travaille avec Ron Beckham, c'est un villageois depuis, il est là depuis. D'accord. Sauf que maintenant c'est moi qui l'ai mis en solo. D'accord. C'est mon produit en même temps. D'accord. Mais sinon les autres, ça reste les enfants de la maison. Ron Materazzi, je l'ai eu il y a 2-3 jours. Ouais. Même parler d'un projet qui est en train de faire un titre pour moi. J'étais surpris. Non mais ça reste la famille en tout cas. Ça reste la famille. On essaye de léguer ce qu'on nous a légué nos grands frères. C'est-à-dire, moi, je suis, comme tu l'as dit, tu l'as résumé tout à l'heure, moi, je suis un natif Wenge. Moi, Werason, il m'a ouvert la porte dans la musique congolaise, dans la musique du monde. Ce qu'on nous a donné, nous, on peut que donner aux autres. Moi, j'ai eu la chance d'être produit dans des shows, dans des grands concerts par Koffi Olomide avec son concert, son label Koffi Central. Donc, moi, à mon tour, je ne peux que donner la chance aux autres. C'est très important pour moi de le faire, même pour mes artistes qui ne sont pas mes artistes. Je produis Baudelaire, c'est moi qui ai fait les premiers albums de Tatiana Cruz, Target. Donc j'essaye de me mettre, de faire ce que je peux à mon actif.
Et puis, ça m'a fait trop mal à un moment. On a, si tu vois mes artistes qui n'en sont plus chez moi, continuer à faire des carrières en solo, c'est peut-être parce que tu as oublié même de citer Disa Match acoustique. Vraiment. Il était là, là, toi. C'est une famille, c'est une famille. Et voulais-je dire que moi, j'avais marre de voir, en fait, certaines choses qui se passaient. C'est compliqué pour moi de voir des grandes personnes qui voient des choses qui ne se passent pas comme il se doit, mais ils n'ont aucun souci de le changer. Ils font rien, ils ne veulent rien faire. Ils veulent que les choses restent telles qu'elles sont. Ce n'est pas comme ça qu'on doit tous voir les choses. Chacun de nous a sa manière de voir les choses. Moi, j'essaie d'apporter ce que je peux. Et moi, pour moi, c'est de partager mes vertus avec les gens qui travaillent avec moi. C'est-à-dire, non seulement on chante ensemble, mais j'essaie de travailler sur leur esprit, sur leur personnage, sur beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que même s'ils sont plus avec moi, ils ont le vertu, ils ont le principe villageois, donc ils peuvent marcher avec. La preuve, c'est quand ils sont loin de moi et qu'ils font des choses qui ne sont pas dignes d'un villageois, ça les ramène à la chute, c'est clair. Donc nous, on essaie de donner aux autres ce qu'il nous a donné. Ouérasson, dans son tour, nous a donné de bonnes choses. Et aujourd'hui, on essaie de défendre le pays à notre manière. Donc nous, à notre tour, on a intérêt de partager cette connaissance aux autres. À l'occurrence, je vais parler de... J'ai même des danseuses qui vaut plus que certaines chanteuses. Notamment Merveille. Merveille, une très bonne danseuse. Mais en fait, vous mettez souvent Merveille en avant par rapport aux autres danseuses. Pourquoi cela? Je vais parler aussi des Philo. J'ai Balenciaga, j'ai Brenda, la chef-tenne actuelle, j'ai Clémence, la coréenne, j'ai Christelle qui vient d'arriver, mais elle est terrible aussi. Elle est dangereuse, Christelle est mortelle. Donc, c'est pas que je mets souvent Merveille en avant, sauf qu'à Merveille, il faut qu'on se partage. C'était la chef-tenne, et puis c'est une ancienne. Parmi tout ce que je t'ai cité tout à l'heure, Merveille, et c'est une ancienne. Ouais. Donc, et tous là, ils sont venus trouver Merveille. Les Merveilles étaient déjà là, bien avant. Donc, c'est une très bonne danseuse. Moi, je ne cache pas les talents, en tout cas. C'est une fille qui est motivée, qui sait ce qu'elle veut, sait ce qu'elle fait. Et puis, sa performance, ce n'est pas moi qui danse à sa place, je crois. C'est la meilleure danseuse du Congo actuellement. Hein. Ah, si tu le dis, je dirais ouais, merci. Ouais. Merci. Et puis, force à elle. D'accord, très bien, merci. Donc, voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. On va laisser l'artiste se reposer et on va continuer le reste des questions demain à la conférence. Le 13 novembre, on va faire un concert mémorable. Je crois que depuis que le Congo existait, les chanteurs congolais, quand ils viennent en Europe, ils font le premier concert en France. Généralement, c'est Olympia. Mais pour une fois, on a essayé de... On veut le faire comme ça aussi. On veut déplacer. Je vais voir ça. Bon. Je vais voir. Je vais faire autre chose. Et je demande à tout le monde, à tous les éléments de la bonne musique, de jouer ces jeux avec moi. De le faire avec moi. Je sais que c'est difficile, c'est très compliqué. Mais je compte sur eux. Les villageois, ça n'en parle même pas. Mais ça aura même moral. Donc je sais qu'ils vont le faire pour moi. De se déplacer pour cette date mémorable du 13 novembre, ça sera une fête de la culture congolaise. Faites-les pour moi, pour soutenir la culture congolaise. Parce que la musique congolaise fait partie de la culture congolaise. Et moi, au retour, je vous ferai qu'il y ait de la bonne musique. Je gire sur mon talent. Bon, ça va être un peu prétentieux. Bon, je veux dire, c'est mon savoir. Je n'arrêterai pas de la faire de la bonne musique, en tout cas. D'accord, merci beaucoup. Je suis sûre qu'il y aura vraiment la jeunesse qui va se déplacer. Parce que les jeunes, certains jeunes qui ont aujourd'hui 18 à 20 ans, ils n'ont pas pu assister au concert, ils n'ont pas connu ce mouvement-là de concert. Donc, je pense que ça va faire vraiment beaucoup de bien à la jeunesse. C'est évident pour moi, parce que je suis jeune. J'appelle pas que la jeunesse, j'appelle. Normalement, on accouche tout la société.
qui viennent, même les vieux, même les jeunes qui viennent. Ils ne seront pas décis. Tu sais, quand on était petit, on a vu des concerts de Viva la Musica, BCBG, Maison Mère, Quartier Latin, Zaïko. À l'époque, ça se passait vraiment genre, on regardait dans les grandes télés, là, à la rue. Nanzele, Indi, Jacques-Henri, Bababas, tout ça. Je veux que les gens revivent ça. Le bon concert congolais, dit bon live. Je veux que les gens revivent ça avec Villanova. Je sais qu'ils ne seront pas décis, mais je compte sur vous. On ne peut pas le faire seul. Je veux que vous veniez le 13 novembre à Lyon, ici. Les gens qui n'ont pas encore plus de place, prenez vos places. Vous ne serez pas décis. On va faire un concert mémorable. D'accord. Parce que c'est comme si ma grand frère n'a pas ça, il est danger. Lorsque vous allez qui n'a pas. Donc toi, sans cette saka, tu peux s'accaler à l'école. L'équipe de retour. Donc, je vais vous donner ma doigt de citer. Lyon t'appartient à Fabregas. Un petit mot, s'il vous plaît. Vous pouvez demander à notre public de s'abonner à Louza Diaz TV et si la belle prod TV, s'il vous plaît. Moi aussi, je vais m'abonner à votre chaîne. Louza Diaz TV. Louza Diaz TV. Abonnez-vous à Louza Diaz TV. Abonnez-vous aussi à Si la belle prod TV. S'abonner à Sila. Nous, on fait partie de la descendance de Papa Wemba, Kofi Olomide, Seigneur Lay, Papa Chéri, Wera Soun, le Fali Poupa, le Ferregola. Nous, on est. Nous autres, là-bas, on a vraiment un souka. C'est-à-dire, nos grands frères ont fait des choses tellement ici en France, ici en Europe. Et nous, la nouvelle génération, on a intérêt de donner une nouvelle souffle. On a intérêt de le faire. Et je pense qu'avec Villanova, le 13 juin, vous allez mieux comprendre. Le 13 novembre, pardon. Le 13 novembre. Ouais. Voilà, merci. Bonjour tout le monde, Mike Danzé pour Trace Mike. Ma question c'est, vous avez fait pas mal de scènes, vous avez fait le Zénith, vous avez fait le Stade de France entre autres, mais vous n'étiez pas chef du groupe. Est-ce que là actuellement c'est votre premier concert en tant que chef, est-ce que ça vous met une pression particulière ou c'est juste nouveau et vous avez hâte? Ah, t'as tout dit, hein. C'est juste ça. Hein. Mais sinon, la musique, je le fais depuis, les concerts, j'en fais plein. Les grandes salles, j'en ai fait partout en Afrique. Je fais pas mal de concerts, en tout cas. Mais c'est juste juste envie de voir les gens là, comment ça va se passer. Et surtout après Covid. Voilà. Merci, merci. Plutôt voir mes musiciens, ce qui est le meilleur fan au monde. Mais après, vous savez, bien évidemment, vu qu'on sort de pandémie, on sort de beaucoup de choses, les gens ont envie de se divertir, vraiment. Mais parlant de stratégie, il y a des stratégies qui restent stratégiques, on le garde pour nous. Mais je sais que j'ai le meilleur fan au monde, ça je le sais. Et c'est surtout pas un concert de Fabregas. C'est la culture congolaise qui est mise en jeu. Tu vois, ce n'est pas que moi. Vraiment, ce concert-là, c'est la nouvelle génération de la musique congolaise qui est mise en jeu. Je demanderai à la jeunesse de les soutenir. Quand le père t'appelle, même tu as des occupations, tu laisses tout. Tu vas d'abord à la maison parce que c'est grâce à Wilson qu'on a vu le jour, nous autres. Si on est aujourd'hui comme ça, c'est grâce à cet homme-là. Donc on a intérêt de l'honorer. On serait là-bas les 17 aux Zéniths de Paris. Secondo, c'était. On parlait de. Ouais, c'est moi, je te parlais de mon animateur, Seda. Ok. Les invités, il y en a plein. Il y a plein de surprises aussi. Monsieur Serge doit savoir, parce que lui, il est en organisation. Mais en fait, je comprends pas quand tu parles de l'homme de Yamato. C'est moi ou c'est là? Je comprends rien. Déborah, tu vois la fille qui a fait Yamato. Lui, il va dire aussi, c'est lui Yamato. C'est lui l'artiste principal. Donc, tu verras qu'en fait, les morceaux Yamato, c'est le groupe qui l'a fait. C'est Fabregas et le groupe. C'est-à-dire, les morceaux, elle a été jouée par l'orchestre. Le drummer, le pianiste, le batteur, le truc, c'est tout un ensemble de beaucoup de choses. C'est pas un animateur. Tout à fait. C'est-à-dire, moi, je serais content de voir aussi mon animateur là venir presser avec nous. Ça serait. D'ailleurs, dans mes lives, c'est ce que je fais. Je leur laisse venir quand tu veux. C'est une famille. Mais après, dire que l'homme des Hamasia, c'est très compliqué parce que regarde, c'est un titre. On a joué, on a chanté. Il a animé. Il y a des gens qui ont dansé. Déjà, Merveille, quand tu dis Merveille, on l'appelle Merveille Yamato. Tu es d'accord avec moi? Donc, Yamato, c'est les groupes, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Mais, bon, on note quand même. On va voir ce qu'on pourra faire. Assis sera dispo aussi. Mais je sais que Beckham sera là. Lei. Ah, d'accord, T1. Tous les lieux les connaissent.
Donc, en termes d'organisation, nous aurons aussi, bien sûr, tout ce qui est nécessaire dans le contexte Covid, avec une sécurité et un accès avec le pass sanitaire, etc. Tout ce qui est de rigueur pour un événement pendant Covid. Tapez concert Fabregas le 13 novembre à Lyon, vous pouvez accéder directement sur Google. Et voilà. Et les liens aussi. Il me reste un mois et demi. Donc on va passer au deuxième vitesse. Si moi j'étais satisfait, oui je suis satisfait. Je vois le travail qui se fait. Je vois comment les choses se passent. Moi ça me plaît, forcément. Moi je suis content. Tu sais, je viens de Kinshasa, mais même si tu dirais descends par Kinshasa, on va te dire que... une fois, je me levais le matin, c'était un dimanche. Je fais une vidéo le même samedi, le samedi à 22h. Dimanche, je me pointe sur Karak où j'ai vu ça, je suis maman, mamie, j'ai dit, oh, mais Gina qui a envoyé ça? Donc du coup, je dis, non, c'est des bons frères, en tout cas. Ils font bien le travail. Voilà, merci, on doit... On a...